Bonjour. Comme tout le monde sait, le sport, c'est la santé. Rien de tel que d'en faire pour la conserver. Mais dans la pratique, il existe toutes sortes d'obstacles qui nous en empêchent. La voiture, le manque de temps, de motivation, le travail, manger pas très équilibré. Bref, c'est la grosse galère. Bon, en même temps, on est presque tous dans ce cas-là, mis à part Monsieur Super Sportif. Et dans notre journée, on est tous appelés à faire toutes sortes de trajets, de chez soi au boulot, ou notre atelier salsa. Donc pour faire plus attention à sa santé tout en ne modifiant pas son quotidien, pourquoi ne pas faire ces trajets ensemble en optant pour un mode de déplacement plus sain et plus écologique? Exemple. Tous les matins, Ludo, développeur informatique, doit se rendre de chez lui à son bureau. Il prend généralement la voiture et se tape les pires embouteillages. À la même heure, Seb attend le bus qui le mènera à son salon de tatouage où il dessinera plein de trucs super sur les gens. Enfin, Rosie, que tous ses amis appellent Lulu, personne ne sait plus pourquoi, va de chez elle à l'opéra pour exercer sa voix de cantatrice. Oh, mais quelle coïncidence! Ces trois personnes font presque le même trajet à la même heure. Dans le meilleur des mondes, elles pourraient abandonner leur voiture ou leur bus et se retrouver pour un petit parcours convivial en roller ou à vélo et brûler ensemble toutes ces saletés de calories. Meilleur des mondes? Mais non, c'est ce que l'application Trombinosport se propose de réaliser. On se crée un petit profil avec une petite photo sur laquelle on est bien coiffé. On entre son ou ses trajets et les heures qui correspondent. Trombinosport nous indique quels autres utilisateurs seraient susceptibles de faire ce trajet avec nous et par quels moyens, à pied, etc. Et on peut rapidement voir nos résultats. Trombinosport calcule automatiquement le nombre de calories brûlées par jour ou par semaine. Youpi ! Résultat, on s'est fait des amis, on a fait du sport et on a un peu aidé l'environnement. C'est pas beau ça ?